Salut les zinzins, aujourd'hui je vous présente l'épisode 37 de The Covid Chronicle. Pour commencer aujourd'hui, warm-up, clean and jerk, d'accord? Donc go wod, clean and jerk, 12 à 15 minutes de mobilité, c'est cool, on s'échauffe tranquillement, doucement, on prend son temps. Ensuite, il va y avoir 4 tours à faire. Alors écoutez bien, va falloir être concentré. 4 tours à faire, dans les 2 premiers tours, vous allez devoir réaliser 3 gestes différents. Vous allez commencer par 10 soulevés de terre, donc trouvez un objet pour l'instant assez léger. Vous faites 10 beaux soulevés de terre, dos droit, la tête dans l'axe ici. Je recrute les ischios, je descends, je remonte. Ensuite, vous allez faire 10 shoulder press. Prenez l'objet, on pousse ici, on remonte. On pousse ici, on remonte. Ensuite, 10 squats. Et ça, vous faites 2 tours. Faible intensité, prenez votre temps. Sur les squats, vous prenez votre charge dans vos bras, on descend, on remonte. Orteils dans l'axe des genoux, dos droit, poitrine ouverte, pied, largeur d'épaule. 2 tours ici. Ensuite, vous allez faire les 2 tours suivants avec une charge, si vous pouvez la varier, un peu plus lourde et faire 3 autres gestes qui vont changer un petit peu. Le premier geste, ça va être le muscle clean. Vous allez prendre l'objet du sol et l'amener ici sur vos clavicules, tout en gardant à la fin du geste les jambes tendues. Vous ne repassez pas sous l'objet, vous gardez les jambes tendues. Le dos droit, l'objet le plus proche possible du corps, vous venez tirer ici et on finit jambes tendues. Le deuxième geste, c'est le push press. Vous prenez l'objet ici, je descends légèrement sur les jambes, je pousse. Ici, dos droit, je descends, quand je descends, il y a juste les genoux qui avancent. Et c'est même pas un quart de squat. Donc vous descendez très légèrement pour mettre une impulsion avec vos jambes vers le haut. Donc vous transférez la force du centre du corps vers les extrémités. Et ensuite, squat jump. Même point de performance que le squat, sauf qu'à la fin, vous sautez. Pli de la hanche sous le pli des genoux et extension complète lors du saut. D'accord, c'est pareil, c'est 10 répétitions aussi. Donc 2 tours, deadlift, shoulder press, squat. Et 2 tours, muscle clean, push press, squat jump. Une fois qu'on est bien échauffé là-dessus, on va passer sur le skills. Le skills, ça va être vraiment un petit échauffement pour le WOD, pour se mettre en jambes et pour aussi que vous puissiez vous adapter à la technique. Clean and jerk pour le premier geste. Clean and jerk, je prends l'objet du sol que j'amène sur mes clavicules. Vous pouvez faire une réception quart de squat. Et le jerk, vous poussez l'objet au-dessus de la tête. Vous pouvez faire un push press si vous voulez, ou un push jerk, ça veut dire que vous passez ici et vous repassez sous l'objet. Vous pouvez faire avec dumbbell, avec une barre, avec un sac à dos ou autre. D'accord ? C'est vous qui choisissez. Dans tous les cas, pour le WOD, cette charge devra être légère. Légère, ça veut dire que vous puissiez effectuer 15 répétitions sans lâcher l'objet. Deuxième exercice du WOD, le dips. Le dips, c'est un exercice de renforcement assez général sur le haut du corps. Donc, soit vous avez des anneaux chez vous, soit une barre, vous le faites sur la barre ou sur les anneaux. Soit vous prenez 2 chaises, vous mettez entre les 2 chaises et on fait le dips. Soit, si vous n'y arrivez pas, vous mettez sur une chaise, mais ici, les pieds devant et je descends, je remonte. Ça, c'est pour le dips. Pour ce réchauffement plus spécifique au WOD, vous allez faire 3 tours de 6 clean and jerk et 6 dips à faible intensité. Vous prenez votre temps, vous vous habituez aux gestes, etc., etc. 6 clean and jerk, 6 dips et ça 3 fois. Une fois que c'est fait, vous allez attaquer le WOD. Le WOD, on va travailler au chronomètre. Vous aurez 10 tours à faire de 45 secondes de travail, 15 secondes de récup sur chaque exercice. 10 tours, donc ça va durer 20 minutes. Je vous explique. Vous commencez avec 45 secondes de clean and jerk, maximum de répétition. Une fois que c'est fait, 15 secondes de récup. Une fois que les 15 secondes sont prises, vous renchaînez avec 45 secondes de travail sur le dips, max de répétition. Une fois que c'est fait, on fait ça encore 9 fois supplémentaires pour compléter les 10 tours. Votre score sera le nombre de répétitions.
Bonne journée à vous. Profitez bien de cet entraînement. N'hésitez pas à m'envoyer ou à envoyer à vos coachs des questions par rapport à tout ça. Bon courage à vous.